Salut! Aujourd'hui, je vais t'apprendre à cuisiner des gâteaux au pif, sans suivre de recettes. Et oui, moi j'achète plus de gâteaux, ni de biscuits, ni de viennoiseries industrielles, parce que c'est souvent cher et suremballé. Et comme je suis carrément gourmand, j'ai pris l'habitude de me cuisiner des gâteaux souvent, genre entre 2 et 3 par mois. Au début, je regardais des recettes sur internet comme tout le monde, mais j'ai jamais été capable d'en suivre une à la lettre de A à Z, parce que quand j'ai envie d'un gâteau, ça me vient toujours sur un coup de tête, et j'ai jamais tous les ingrédients qu'il me faut chez moi, donc j'ai toujours adapté les recettes avec ce que j'avais à disposition. Au fur et à mesure de mes expériences, j'ai chopé des réflexes, et maintenant je cuisine tous mes gâteaux au pif. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler mes secrets et pour ce faire, je vais te présenter 3 recettes que je vais cuisiner sous tes yeux ébahis, spécialement pour cette vidéo. Je te propose un délicieux fondant poire chocolat, un magnifique cake pomme citron et d'incroyables cookies aux pépites de chocolat. Les recettes que je vais te montrer vont être vegan et sans gluten, mais attends, si t'es pas vegan et que t'as pas d'intolérance, tout ce que tu vas apprendre dans cette vidéo va te servir quand même, parce que le but, c'est justement de comprendre la chimie du gâteau et de pouvoir ensuite en cuisiner de toutes sortes selon tes goûts. En plus, même si t'es pas vegan, t'as le droit d'en manger. Et en vrai, apprendre quelques rudiments de la cuisine vegan, c'est très instructif pour augmenter ton panel d'idées de recettes. Moi-même, je suis pas vegan, mais je mange plus de lactose pour des raisons de santé, et c'est très difficile de trouver des gâteaux sans lactose dans le commerce par chez moi, à la campagne, donc ça me motive d'autant plus à cuisiner mes propres desserts, sinon j'en aurais jamais, et ça serait vraiment trop triste. Normalement, après cette vidéo, tu auras de bonnes bases théoriques pour te lancer dans tes propres essais et devenir autonome pour satisfaire ta gourmandise sans aller au supermarché, et ce, quel que soit ton régime alimentaire. C'est le rêve! T'auras remarqué que quand tu cherches une recette pour quoi que ce soit, par exemple un fondant au chocolat, t'en trouves des dizaines, toutes différentes, et la plupart du temps, elles fonctionnent toutes. C'est justement parce que cuisiner des gâteaux, c'est pas une science exacte. Je me suis rendu compte qu'il y a une marge de manœuvre assez large dans les proportions pour que ça donne quand même un bon résultat. Faut juste comprendre quelques trucs, et tu peux retenir que dans l'extrême majorité des cas, il y a toujours la même base. De la farine, du sucre, un liant et de la matière grasse. 4 ingrédients que l'on retrouvera dans tous les cas. Les farines, ça peut être de la farine de blé, de seigle, d'épeautre, de riz, de sarrasin, de pois chiche, de châtaigne, bref, n'importe quelle farine. Dans les sucres, il y aura le sucre en poudre, la cassonade, le rapadura, qui est un sucre complet, mais aussi des sucres liquides, comme le sirop d'agave, le sirop d'érable, ou encore le miel. Et même des fruits secs comme des dattes mixées feront l'affaire. Dans les ingrédients qui font liant, on trouvera communément les œufs, mais on pourra aussi penser à la compote de pommes et la compote de bananes. Il y a aussi les graines de chia et de lin, qui, une fois trempées dans de l'eau, forment un mucilage qui devient une sorte de gel. Et il y a aussi les fécules, comme la fécule de pomme de terre ou la maïzena, qu'on pourra intégrer et incorporer dans les farines. Et dans les matières grasses, il y a l'incontournable beurre, qu'on pourra facilement remplacer par des margarines. Et il y a aussi toutes les huiles végétales, qui tiennent bien la température, par exemple l'huile d'olive, de tournesol, de coco, ou encore l'huile de noisette, qui donnera une petite saveur particulière. Ces 4 types d'ingrédients peuvent être mis dans des proportions différentes pour varier le type de gâteau, et on le verra dans mes 3 recettes que je propose après. Et ensuite, pour varier les goûts et les plaisirs, on rajoutera un 5e type d'ingrédients qui seront les ingrédients de parfum ou de goût. Par exemple, du chocolat, de la cannelle, différentes épices, du sel qui se marie très bien dans les pâtisseries pour rehausser le goût. Ou encore des zestes de citron, de l'extrait de vanille. Les idées sont infinies. On est parti pour la première recette. Si on reprend les 4 types d'ingrédients, pour mon fondant, je vais utiliser comme farine de la farine de sarrasin, il en faudra un tout petit peu. Pour le sucre, je vais prendre du sirop d'agave. Comme liant, je vais faire un mélange, je vais utiliser un peu de fécule de pomme de terre, et je vais faire tremper des graines de chia dans du lait d'amande. Et ma matière grasse, ce sera de la margarine. Bien entendu, je vais utiliser du chocolat, je prends toujours du chocolat noir dessert, et une poire pelée coupée en quartier moyen. Je vais aussi ajouter une pointe de gros sel pour un côté plus savoureux. Je vais commencer par faire fondre la margarine et le chocolat ensemble au bain-marie. Vous pouvez aussi le faire fondre dans le four qui sera en train de préchauffer. Mais moi, puisqu'aujourd'hui je fais 3 recettes d'un coup, je vais toutes les préparer et les faire cuire ensemble au four. Donc je vais attendre avant de l'allumer. Comme le chocolat noir est déjà très gras, je ne vais pas mettre trop de beurre. 1/3 de plaquette sera suffisant. Enfin, je dis beurre, mais c'est de la margarine évidemment. Donc cela dit, vous aurez compris que vous pouvez adapter cette recette avec n'importe quel autre type de matière grasse. Donc vous pouvez effectivement utiliser du beurre si vous préférez.
Et au niveau du chocolat, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Ça apporte aussi beaucoup de matière grasse, c'est pour ça que c'est pas la peine de rajouter trop de beurre, par exemple, ou de margarine. Alors pour limiter la quantité de vaisselle, je suis en train de préparer le bain-marie dans le récipient qui me servira à cuire le gâteau. Là, pour la quantité, ça dépendra de ce dont vous avez besoin. Je me prévois un gâteau pour moi tout seul, donc je pense que dans un récipient comme ça, ça ira. Bien sûr, si vous en voulez plus, il suffit de rajouter du beurre, du chocolat, enfin bref, vous rajouterez de plus en plus d'ingrédients si vous voulez faire un plus grand gâteau. Je le place dans une casserole avec de l'eau et je la mets à bouillir pour qu'il fonde. Pendant ce temps, je vais m'occuper de faire tremper mes graines de chia. Ça a besoin d'un certain temps aussi, par exemple un bon quart d'heure, pour que le mucilage se fasse, parce que les graines de chia vont créer une sorte de gel. Là, pour un fondant de cette taille, moi j'aurais mis 2 œufs. Du coup, faut imaginer que les graines de chia vont remplacer les œufs. Ça va au moins doubler de volume avec le lait. Du coup, si on imagine que ça fait 2 œufs, je pense que là j'en ai mis un peu trop. Voilà, je pense que ça c'est pas mal. Et là, je vais recouvrir avec le lait. Voilà, je mets à peu près le double du volume, puisque je vous dis que ça va doubler de volume. Donc comme ça, les graines auront assez de liquide pour faire leur gel. Fais en sorte de bien les tremper. Après, il n'y a plus qu'à attendre. Donc, je laisse reposer. Au bout de quelques minutes seulement, elles commencent déjà à créer le petit gel. Donc je remue pour que ce soit bien homogène et je relaisse reposer un certain temps. Quand les graines ont complètement gélifié et que ça ressemble à ça, vous pouvez les mettre dans le bol. Si vous utilisez des œufs comme liant, c'est aussi le premier ingrédient à mettre dans le bol pour le fondant. Habituellement, quand on fait des gâteaux, les premières choses à mettre dans le récipient, ce sont plutôt tout ce qui va être poudre et farine, pour pouvoir bien les mélanger ensemble et que voilà, le mélange soit bien homogène. Ça évite aussi souvent les grumeaux. Mais le fondant, c'est l'exception qui confirme la règle, parce que il faut très peu de farine. Et pour réussir à bien la doser, mieux vaut la rajouter à la fin, justement. Une fois que j'ai mis les graines, je peux rajouter le sucre, donc moi j'utilise du sirop d'agave. Vous pourrez très bien utiliser du sucre en poudre. Quand je dis que j'utilise du sirop d'agave, c'est pas une vérité générale, c'est que là pour cette recette j'ai envie d'en mettre. Pour le fondant, je trouve que ça va être pas mal parce que ça garde un côté plus liquide que le sucre en poudre. Et justement, ce sera intéressant pour le fondant. Là, il s'agira d'en mettre autant que vous voulez, ça dépendra vraiment de vos goûts. Et moi, j'aime bien quand c'est assez sucré. Rien n'empêche de goûter pendant la préparation. Maintenant, je rajoute la préparation fondue. Là, vous constatez que les proportions sont quand même assez intuitives. Alors, j'ai quand même essayé de nettoyer assez bien le plat, puisque c'est lui qui va me servir à mettre le gâteau au four. Et si je fais ça, c'est pas pour faire de la vaisselle en plus, donc je vais pas le laver. Bien, c'est très bien! Donc c'est là que les derniers ingrédients rentrent en jeu. On va rajouter la farine, la fécule et le gros sel. La fécule va permettre au gâteau de se lier un peu, mais je veux que ça reste un fondant, donc je vais pas en mettre trop. Alors une demi-cuillère à soupe, ça devrait suffire. Tout de suite mettre du gros sel aussi. Là c'est pareil, le gros sel c'est selon vos goûts. Et alors au niveau de la farine, il va pas falloir se planter non plus, parce qu'il n'en faut effectivement pas beaucoup. Donc j'en saupoudre un peu au-dessus. Voilà, une fois que c'est à peu près saupoudré partout, je passe au fouet, je homogénise le tout. Là, la farine, c'est anecdotique, hein. Vous pouvez utiliser n'importe quelle farine, ça ne changera absolument rien. Même au niveau du goût, on va pas vraiment la sentir. Par contre, elle est complètement indispensable pour que le gâteau prenne quand même un peu, sinon ça restera complètement liquide. Bon, là, c'est clairement pas assez, parce qu'il est complètement liquide encore. Donc, j'en rajoute un peu. Il faut pas que la pâte soit trop prise, trop dure, mais il faut pas qu'elle soit trop liquide non plus. Donc pour le fondant, c'est assez à l'œil, sachant que dans tous les cas, le gâteau va prendre en cuisant grâce au liant, justement, grâce aux graines de chia et à la fécule. Donc là, il y a plusieurs écoles. Si vous voulez quelque chose de très fondant, voire coulant, il va falloir mettre peu de farine. Si vous voulez quelque chose qui soit un petit peu plus du type soufflé et moelleux, vous pouvez mettre plus de farine. Donc là, si je commence avec ce type de pâte, ça va rester très coulant. Pour des petits muffins par exemple, ce sera vraiment chouette, comme ça le cœur sera coulant. Et pour un gâteau dans un récipient plus grand comme celui-ci, je préférerais faire quelque chose de plus moelleux. Donc je vais rajouter encore un peu de farine. Commence à approcher. Hop, je pense que je vais m'arrêter là. C'est encore bien liquide, mais comme je l'ai dit, c'est un fondant, je ne veux pas que ce soit trop sec.
quand on cuisine sans recette et qu'on teste des nouveaux trucs, le résultat est incertain. Surtout pour le fondant, dans lequel le temps de cuisson est assez précis. Mais ce dont je me suis rendu compte, c'est que c'est souvent la texture qui risque d'être moins réussie, alors que le goût est toujours au rendez-vous. Et c'est assez normal, avec le genre d'ingrédients qu'on utilise, je vois pas bien comment ça peut être mauvais. Et comme l'idée principale c'est de me cuisiner des gâteaux pour moi, je suis moins exigeant sur le résultat visuel, tant que le goût est au rendez-vous et que je me régale, c'est cool. Par contre, quand je veux faire un dessert à ramener chez des gens, je fais mes recettes au pif que je gère le mieux et qui sont les moins risquées. Je vais rapidement mettre une pointe d'huile de tournesol pour beurrer le moule pour pas que ça colle, même si c'est pas le type de gâteau qui a tendance à trop coller, parce que c'est quand même déjà bien gras. Parce qu'ici, on n'est pas là pour faire de la cuisine diététique, hein. On est là pour se faire plaisir, et le gras et le sucre, c'est la vie. Et le chocolat aussi, évidemment. Vous remarquez que je n'ai pas mis de poudre à lever ou de bicarbonate. On aurait tout à fait pu en mettre. Le gâteau aurait donc monté comme un soufflé. Là, si je le veux un peu plus compact et encore plus coulant, mieux vaut ne pas en mettre. Tout dépend du rendu que vous désirez. Vous remarquez aussi que je n'ai pas mis les poires. C'est pas un oubli. C'est parce que je prévois de les mettre par-dessus. Vous pouvez les mettre un peu dans le sens que vous voulez pour créer des dessins, des motifs. Hop, moi je vais simplement les mettre côte à côte. Et ça créera des parts assez faciles à couper. Autre petite idée, avec les fruits, on aurait pu en couper quelques-uns en dés et les ajouter à l'intérieur de la préparation. Ça aurait apporté un petit côté plus léger dans la pâte du gâteau. C'est prêt à être enfourné, je vais préparer les deux autres gâteaux avant de tout mettre au four. Ici, je vais utiliser un mélange de trois farines. Donc, je vais reprendre du sarrasin, de la farine de riz et de la farine de châtaigne. Là, c'est dans l'idée de donner un certain goût grâce à la farine de châtaigne qui est très prononcée. Et le fait de faire un mélange de farines quand on utilise des farines sans gluten, ça permet au gâteau de mieux se fixer. Si vous utilisez de la farine de blé classique, vous pouvez n'en prendre qu'un seul type. Mais honnêtement, je vous conseille de varier les farines parce que vous allez trouver des gâteaux avec des goûts et des saveurs différentes. Donc ici, un mélange de trois farines. Le sucre, ce sera simplement du sucre en poudre que je vais prendre bio et roux. Mon liant est une compote de pommes que j'ai faite maison, je l'ai préparée déjà hier. Donc là, il y a 4 belles pommes que j'ai d'abord épluchées, enlevé les pépins et que j'ai coupées en gros quartiers. Et je les ai laissées cuire à feu doux pendant assez longtemps, en surveillant et en remuant régulièrement. Pour faire une compote, c'est vraiment pas compliqué, hein. Et là, pour le gâteau, je vais encore la mixer pour qu'elle soit bien lisse. Ça permet à la pectine qui est comprise dans la pomme de créer ce fameux liant qu'on recherche dans les gâteaux. Puisqu'ici, ce sera un gâteau sans œufs. À nouveau, si vous voulez utiliser des œufs à la place de la compote, vous pouvez en mettre à peu près 4 pour cette quantité de compote. Mais je suis même pas sûr d'utiliser toute la compote. Et voilà, une belle compote bien lisse. Ma matière grasse, ce sera de l'huile de coco que j'ai faite fondre au bain-marie. Et pour ce cake au citron, j'aurai encore besoin d'un zeste de citron que j'aurai râpé, de la cannelle pour parfumer, et du bicarbonate avec du vinaigre de cidre pour créer la poudre à lever. Je vise un cake qui va rentrer dans ce moule, donc ça me donne une idée de la quantité à faire. Dans mon saladier, je commence à mettre un tiers de chaque farine. Si je commence avec 2 cuillères à soupe de chacune, ce sera pas mal. Je rajoute le sucre, là on suit la version classique des gâteaux, c'est-à-dire de mettre toutes les poudres ensemble. Et ma foi, je vais en mettre autant que de cuillères de farine, donc 6. Là je sais plus si j'en ai mis 5 ou 6 parce que je parle en même temps, je vais m'arrêter là. Pour que ça lève bien, je vais mettre 2 cuillères à café de levure, de bicarbonate. Sachant que la poudre à lever hein, que vous achetez dans le commerce, c'est à plus de 90% du bicarbonate. Et avec le vinaigre qu'on ajoutera à la fin, ça aidera à créer la réaction chimique pour lever. Une fois qu'on en est là, on rajoute classiquement le liant, donc soit les œufs, soit la compote dans notre cas. Là, je pourrais mettre par exemple 3 œufs pour cette quantité de farine, donc je vais mettre genre 3 bonnes cuillères de compote. Et je vais également ajouter la matière grasse. Le cake que je fais est très très inspiré de la recette du 4 quarts, donc qui est très gras. Eh bien, j'ai tendance à croire que ça manque de farine. Il n'est pas trop tard pour en rajouter. Si vous utilisez des farines sans gluten, quitte à en rajouter, préférez celle de sarrasin, qui aura tendance à mieux agglomérer que la farine de riz, par exemple, qui sera plus cassante.
Ok, là on est mieux. Donc ici c'est un cake, alors je cherche une pâte beaucoup moins liquide que tout à l'heure. Maintenant je peux rajouter les arômes, donc de la cannelle, mon citron, et je mets une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Et là, par précaution, je le sens comme ça, je vais rajouter un peu de bicarbonate. Parce que j'ai vraiment envie que ce gâteau soit levé. Ok, c'est pas mal. Je beurre très légèrement mon moule avec ici de l'huile végétale ou du beurre ou de la margarine, mais surtout pas de l'huile de coco parce que en refroidissant, elle durcit. Donc elle risque de laisser des traces blanches sur votre gâteau, ce qui sera juste pas très esthétique. Oh là là, l'odeur du citron et de la cannelle, ça m'évoque Noël. J'étale bien la pâte dans l'ensemble du moule pour faire un cake bien rectangulaire. Je fais des petites traces à l'intérieur, je ne sais pas si ça sert à quelque chose, mais ça m'amuse. Il est prêt à être enfourné, je le réserve pour juste après. C'est parti pour les cookies, est-ce que ce ne sont pas les meilleurs gâteaux qu'on puisse se cuisiner? Pour cette recette, je vais de nouveau faire un mélange de farine, donc la sarrasin et la châtaigne, du sucre en poudre, je vais refaire mon combo graines de chia et fécule pour le lien, de la margarine comme matière grasse, mais attention, cette fois je ne vais pas la faire fondre, je l'ai laissée à température ambiante pour qu'elle soit très molle. Et ensuite, les saveurs, je vais faire des cookies au cerneau de noix, et aux pépites de chocolat. Là, j'ai utilisé un chocolat de tablette de dégustation au piment. Donc c'est du chocolat noir, un soupçon d'extrait de vanille. Et pour légèrement faire lever les cookies, de nouveau un peu de bicarbonate et de vinaigre de cidre. À tes souhaits, merci. Je commence par faire tremper les graines de chia dans de l'eau. À la maison, je vous invite vivement à faire cette préparation un quart d'heure à l'avance, comme ça c'est déjà prêt quand vous vous lancez. Dans mon bol, je vais mettre mon mélange de farine. Vu la quantité de margarine et de graines de chia que je prépare, donc des matériaux plutôt liquides, je vais mettre 4 cuillères à soupe de chaque farine. Sachant que j'en rajouterai si besoin, si je me rends compte que la pâte n'est pas assez solidifiée. Cette fois-ci, je peux mettre une bonne cuillère à soupe de fécule de pommes de terre. De la maïzena conviendra également. Et là, si vous utilisez des œufs, vous pouvez en mettre, je dirais, 2 ou 3. Ce qui compte avec les cookies, c'est la consistance de la pâte à la fin. 2 bonnes cuillères de bicarbonate. Et le sucre, que je peux mettre généreusement parce que ce sont des cookies. Une astuce qui existe pour les graines de chia consiste à les mixer pour que le mucilage se fasse plus vite et que la graine disparaisse, car dans le gâteau final, sinon, on peut un peu la sentir croquer sous la dent, alors sachant que c'est très léger. Mais voilà, la texture n'est pas aussi lisse qu'avec des œufs. De mon côté, je n'ai pas un mixeur suffisamment puissant pour mixer ce genre de graines rikiki. Franchement, ça ne dérange pas spécialement d'avoir la graine dans le gâteau. Quand les graines de chia sont prêtes, vous pouvez les ajouter avec le bloc de margarine à température ambiante. Et là, le plus intéressant arrive. Il faut mélanger avec les mains pour écraser le beurre dans la farine et créer la pâte bien homogène. Et ça, c'est vraiment cool. Il faut bien pétrir pour que la farine se mélange au reste. Hop, donc comme souvent, je me fais avoir avec la quantité de matière grasse. Donc là, c'est beaucoup trop collant. Donc je peux ajuster la pâte en rajoutant de la farine. Mais bien sûr, il faut que je me dépatouille les mains avant. Je n'ai jamais trouvé de solution pour réussir à avoir à disposition un peu de farine à prendre avec les mains sales. Je rajoute donc de la farine par-dessus. J'ai décidé de mettre de la farine de riz aussi au final, plus de la farine de sarrasin. Et cette fois, je vais mélanger à la spatule pour pas me ressalir toutes les mains, au cas où je devrais rajouter à nouveau de la farine. Normalement, à la spatule, on y arrive. Le but recherché, c'est d'avoir une pâte qui forme une boule qui ne colle plus. Donc quand je dis qu'il ne colle plus, hein, c'est qu'il ne colle presque plus. On n'est pas en train de faire une pâte à pain. Une pâte à pain, c'est vraiment une pâte qu'on peut prendre dans les mains comme ça. Là, si ça colle un tout petit peu, c'est bon. Mais là, on a quand même une texture, vous voyez la différence hein, par rapport à avant. Une texture où je vais pouvoir former des petites boules pour faire des cookies. Il faut que j'ajoute mes petits agréments. L'extrait de vanille, vinaigre de cidre, chocolat, noix, et je mélange. Faut surtout que l'extrait de vanille aille partout. C'est vraiment pas mal, ça va être trop bon. On va passer au dressage. Sur une plaque de cuisson, je vais saupoudrer un petit peu de farine partout.
ça me servira de papier sulfurisé. Honnêtement, le papier sulfurisé, je n'en achète pas. Je ne vois pas à quoi ça sert. La farine, ça fait tout à fait le même effet. Et maintenant, avec ma pâte, je vais former des boules de la taille que je veux. Si vous aimez les petits cookies, vous faites des petites boules. Si vous aimez les gros cookies, vous faites des grosses boules. Mais il vaudra mieux faire des boules de la même taille pour que la cuisson se passe bien. Sinon, les cookies ne vont pas cuire de la même façon. Et il y en aura des cramés et d'autres qui ne seront pas cuits. Alors vous pouvez les laisser en forme de boule. Je viens de me rendre compte que je commence à te vouvoyer, alors qu'au début je te tutoyais. Mais ça va, on fait la cuisine ensemble, hein, on peut bien se tutoyer, non? Là, la consistance est encore un peu collante à mon goût. Cela dit, ça va fonctionner. Quand je vous dis que c'est pas une science exacte, la pâtisserie, hein. Donc là, on aurait pu mettre un peu plus de farine, par exemple. Ça aurait fait plus de cookies. Et voilà, des petits petons, ou des petits pâtons, qui vont aller au four. Alors là, ce qui est délicat, c'est que les différents gâteaux n'auront pas le même temps de cuisson. Donc je me lance à un petit défi supplémentaire. Le cake va avoir un temps de cuisson d'environ 30 minutes au moins. Alors que les deux autres, un temps beaucoup plus court. Le fondant, ça va plutôt être environ 15 minutes. Les cookies, c'est les plus délicats, faudra les surveiller. Ça peut cuire que 12 minutes, par exemple. Donc je vais déjà tout enfourner. Ici, j'ai programmé mon four à environ 160-170 degrés, une température plutôt basse pour le fondant en particulier, parce que si on veut que le fondant soit véritablement fondant, il ne faut pas le cuire à trop haute température. Les cookies arriveront aussi très bien à cuire à cette température, d'autant que moi, je les aime quand ils sont aussi un peu moelleux. Si vous préférez des cookies plus croquants et sablés, il faudra peut-être les cuire à plus haute température, mais pas trop, pour ne pas que le dessous crame, et peut-être un peu plus longtemps. En général, je mets un petit minuteur au bout de 10 minutes pour revenir vérifier où en est la cuisson et ajuster le temps de cuisson en fonction. 10 minutes plus tard, je vérifie la cuisson. Les cookies ont déjà bien levé. Alors si je les touche, ils sont encore assez mous. Ici, le fondant n'est carrément pas cuit. Il est encore tout liquide. Et le 4 quarts, c'est pareil. Mais ça, au bout de 10 minutes, c'est normal. En plus, moi, j'utilise un four au gaz, donc c'est encore plus délicat la cuisson parce que ça cuit très fort par le dessous. Avec votre four, vous devriez avoir vos habitudes. Touk. Là, ça va faire presque 15 minutes que les cookies cuisent. On voit que la texture est encore un peu molle. C'est normal, en refroidissant, ils vont figer parce que la margarine va se resolidifier. Si je plante un couteau dedans, je vois que la pâte est cuite au centre. Donc je peux les sortir parce qu'ils sentent déjà bien dorés en dessous. Et moi, je n'aime pas quand les cookies sont trop cuits. Le reste doit encore rester. Hop, une vingtaine de minutes plus tard, les gâteaux sont en ébullition. Donc le fondant est encore très coulant. Je vais le sortir et le laisser refroidir. Et le cake, je pense que le cake peut cuire encore. Hop, je vais baisser un peu le feu et je vais encore laisser peut-être 5 minutes. Là, ça fait un moment que j'ai éteint le four et que j'ai laissé le dernier cake cuire à l'inertie jusqu'à ce qu'il refroidisse. Et voilà, on va le démouler pour voir tout ça. Il a pas levé autant que j'aurais voulu, mais la texture est vraiment sympa. Et il sent super bon le citron. Les cookies ont la texture que j'adore, ils sont moelleux et ils ont un bon cœur fondant, avec les pépites généreuses. Le fondant, c'est celui qui peut avoir la texture la plus difficile à obtenir. Là, je l'ai laissé refroidir toute une nuit, mais ça peut être chouette de le servir un peu plus tôt, encore un peu tiède, pour qu'il soit encore plus fondant et coulant, parce que quand il refroidit, il durcit assez, grâce à la margarine qui fige à nouveau. La texture de ces gâteaux que je fais en général change beaucoup entre la sortie du four et le temps où ils sont refroidis. Oh, c'est pas mal. Oh là là, il est parfait. Oui, c'est toi la croquette. Conclusion. Au début, c'est bien de suivre des recettes pour voir la texture de pâte à obtenir. Ensuite, t'arriveras à inventer et réadapter des recettes selon tes propres goûts et les ingrédients que t'as à la maison, tout en retrouvant le type de texture à obtenir et à gérer les temps de cuisson correctement. Avec l'expérience, tu vas te perfectionner.
Ce que je trouve super satisfaisant avec les gâteaux au pif, c'est qu'ils sont plutôt rapidement faits. En plus, maintenant, j'ai pris l'habitude de travailler avec certains types d'ingrédients que je connais, et ça fait que je vais encore plus vite qu'au début. Maintenant, c'est à toi de jouer, et si tu veux plus d'idées de recettes de dessert, tu pourras en retrouver dans cette playlist que j'affiche juste ici. J'y ai déjà présenté un 4 quarts, un brownie et des pancakes, donc tu trouveras tout ce qu'il te faut pour avoir un bon kit de démarrage. Je remercie du fond du cœur toutes mes tipeuses et tipeurs qui me soutiennent, parfois régulièrement et depuis des années, c'est vraiment merveilleux. Et merci aussi à toutes celles et ceux qui me font des tips ponctuels, c'est un soutien tout aussi précieux. Amusez-vous bien en cuisine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.